La teneur de ce communiqué de presse, en application de l'article 09 des statuts de la coordination de la majorité présidentielle CMP, M. Djibrine Hissène Mursal, président de l'UDS, est suspendu de la CMP jusqu'à nouvel ordre. Pour la coordination de la majorité présidentielle, le coordonnateur Kosmadi, merci. Nous avons également enregistré les messages de félicitations au président de la République. Le premier est celui de l'ambassadeur représentant permanent du Tchad à New York, Mustapha Ali Alifé. Il est ainsi libellé. J'ai l'honneur de vous adresser en mon nom propre, en celui du personnel de la mission permanente de la République du Tchad auprès de l'ONU, mes sincères félicitations pour le succès de la table ronde sur le financement du plan national de développement PND 2017-2021. Les annonces faites par les bailleurs de fonds, les investisseurs privés et les pays amis qui vont au-delà des prévisions confirment la place qu'occupe le Tchad dans le partenariat économique mondial, tout en vous encourageant dans vos initiatives en faveur du développement de notre pays. Veuillez à créer excellence, Monsieur le Président, l'expression de mon soutien constant. Nous avons également enregistré le message du chef de canton, Gargué Dabtouyour, et chef de file des leaders traditionnels et coutumiers, Dime Moussa Goudi. Le chef de canton Kanembu de Moussouro Sokoto Aliga Boukar, les secrétaires généraux régionaux du MPS de l'ensemble du territoire national, par la voix du secrétaire général régional du Chari Bagirmi, le camarade cadre Sali Kana. Le secrétaire exécutif du RJMPS de la région du Wadaï, Mohamed Tahir Daoussa, au nom de la jeunesse du RJMPS. La Fédération syndicale des employés cadres du Tchad, par l'entremise du secrétaire général Arimadi Nangoudoum Tamar, et puis du groupement Barima pour le développement. Tous félicitent le président de la République pour le succès enregistré à la table ronde de Paris. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Très bon suivi des programmes sur Télé-Tchad. Bonsoir.